D'abord, le gouvernement consacrera l'année prochaine plus d'un milliard d'euros à l'ensemble des actions en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. Dans le cadre de cette somme, nous dédierons 360 millions à la lutte contre les violences faites aux femmes. On a eu des choses, c'est sûr, mais ça n'est pas du niveau d'un Grenelle. On a eu des choses positives et on est contente de ça. On a pu se faire entendre sur un certain nombre de choses. Mais en tout cas, un Grenelle pour nous, c'est il n'y en a qu'un. Et là, en fait, ce que je me dis en sortant de ce Grenelle, c'est qu'il faut qu'on en refasse un l'année prochaine. Je n'ai pas entendu ce mot extraordinaire qui est évaluation de l'impact des politiques publiques. Si on n'évalue pas ce qui est prévu aujourd'hui, on fera ce que les autres gouvernements ont fait, c'est-à-dire un empilement de mesures qu'on n'évalue pas et qui petit à petit tombent en désuétude parce qu'on ne les applique pas.